On est là, on est là, même si Macron ne veut pas. Macron a dit qu'il retirerait pas, Borne aussi. Ça a été un échec avec la rencontre syndicale. Pourquoi vous continuez à manifester de s'y refuser? Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il faut y aller jusqu'au bout et continuer. On pourra toujours avoir quelque chose, je pense. Ah. Au moins, on marquera les esprits et si c'est pas à l'Assemblée, ça sera dans les bulletins de vote, parce que ça changera. Eh ben, pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'il est toujours temps de faire marche arrière. Et donc, il faut qu'ils écoutent les Français, parce qu'il est quand même temps qu'ils écoutent le peuple. C'est quand même nous qui avons voté et la 49-3, c'est quand même inadmissible de nos jours qu'ils insistent là-dessus. Voilà. En garde espoir, ça va. Ils vont pas rester sourds. Ils vont pas rester sourds aux manifestations toute leur vie. Au moment où on lâchera rien. On reste motivés. On reste sur nos mêmes positions. 64 ans, ce n'est pas négociable. 62, c'était déjà difficilement négociable et 64 ans, ce n'est pas négociable. J'espère qu'on va obtenir quelque chose et qu'il va retirer son projet de loi. Et puis en plus, la manifestation, elle va au-delà. C'est pour réclamer plus de démocratie. Et moi, je suis déléguée syndicale, je suis au CSE, et les gens sont dans des conditions de travail déplorables, ont des salaires de misère, et il faut que ça change. Comment vous voyez l'avenir, la suite? Eh bien, là, on voit qu'on est soudés, il y a autant de manifestants, donc voilà, il faut qu'on continue, il faut se battre pour garder nos droits. Merci. On va encore se mobiliser, partir sur une grève générale, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je pense qu'hélas, il nous oblige à ne pas travailler. Et après, ce n'est pas normal qu'il fasse ça. Nous, on est là pour travailler, on a un salaire, on doit justifier notre salaire et nos cotisations sociales. Et ce n'est pas normal qu'on nous bloque comme ça et qu'on essaie d'économiser. C'est de l'économie de bout de chandelle, en plus, sur son budget. Il y a bien je pense qu'il y a des économies à faire ailleurs. On a vu le budget de l'armée. Le budget de l'armée, voilà, par exemple. Je pense qu'on peut raboter sur le budget de l'armée et ne pas raboter sur le budget du bien vivre des gens. Parce que nos cotisations, l'hôpital, la retraite, c'est pour que nous puissions bien vivre tous ensemble en France. On va pas lâcher, on va continuer à faire des blocages, à aller dans la rue. Et jusqu'à ce que le gouvernement et M. Macron, il n'est pas tout seul, décident de changer. Comment vous voyez l'avenir, la suite? Eh bien, là, on voit qu'on est soudés, il y a autant de manifestants, donc voilà, il faut qu'on continue, il faut se battre pour garder nos droits. Merci. On va encore se mobiliser, partir sur une grève générale, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je pense qu'hélas, il nous oblige à ne pas travailler. Et après, ce n'est pas normal qu'il fasse ça. Nous, on est là pour travailler, on a un salaire, on doit justifier notre salaire et nos cotisations sociales. Et ce n'est pas normal qu'on nous bloque comme ça et qu'on essaie d'économiser, c'est de l'économie de bout de chandelle en plus sur son budget. Il y a bien je pense qu'il y a des économies à faire ailleurs. On a vu le budget de l'armée. Le budget de l'armée, voilà, par exemple. Je pense qu'on peut raboter sur le budget de l'armée et ne pas raboter sur le budget du bien vivre des gens. Parce que nos cotisations, l'hôpital, la retraite, c'est pour que nous puissions bien vivre tous ensemble en France. On va pas lâcher, on va continuer à faire des blocages, à aller dans la rue et jusqu'à ce que le gouvernement et M. Macron, il n'est pas tout seul, décident de changer.
donc je m'appelle Marianic et même je suis donc à toutes les manifestations sur Rennes, même si j'ai largement dépassé l'âge de la retraite maintenant. Mais je trouve ça très important pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants, qui non seulement devront travailler, pas toujours dans de bonnes conditions, jusqu'à 64 ans, suivant les métiers qu'ils pratiqueront, et qui en plus n'auront peut-être pas de travail au début de leur vie professionnelle, puisque les vieux seront au travail. Par contre, à ces revendications s'ajoute aussi maintenant la lutte contre les propos de M. Darmanin qui qualifie les gens d'éco-terroristes, les gens d'ultra-fascistes, ultra-gauche, je ne sais plus trop quoi, mais qui ne sert qu'à remettre de l'huile sur le feu pour monter les gens les uns contre les autres. Merci. But then yeah.